Voilà. Ok. Bon, je vais juste me contenter de foutre plein de trucs de tourisme. Ok. Il y a un truc que j'aimerais faire en fait, c'est on va pas faire des ranchs industriels, je pense. On va juste faire des ranchs normaux de un peu de tout. Genre, tiens, par là, on pourrait faire des ranchs de bétail. Genre, hop. Ça, on aura de la viande. Voilà. Je vais pas aimer du tout ce que ça va faire là, les routes. Viande. Hein? C'est peut-être un peu overkill, mais... Ok, c'est ça, construisez-moi tout. J'ai pas le temps. Ok, et ensuite... vous avez... Oh, c'est shift ou... Interdiction de pâturage. Parfait. Vous pouvez tous dégager. Parce que voici, faut aussi que je pense à la bouffe de nos citoyens. En fait. Que je fasse des centres commerciaux aussi. Ok, moi je pense qu'en viande ça devrait être bon. Là on a des fermes, là on a des fermes. Là on a quoi? On a banane, maïs. Ananas, maïs, banane, ananas. Je pense que je produis que je produis carrément trop de trucs, mais en plus comme ça, ça fait de l'emploi. Voilà. Je vais rajouter des centres commerciaux. La société de consommation est là. Elle est présente. Par là. On va faire comme ça et puis là
On peut mettre un truc là. Voilà. Non, on peut pas. On peut mettre un bar. Voilà. Attention, ça va faire mal. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est temporaire, vous ne paniquez pas. Je fais des trucs jolis mais qui servent à rien, hein, clairement. Là. Petite clinique par là. Un petit bar. Un petit restaurant. Des jardins. Voilà. Un joli quartier. Et une route qui sert à rien. Voilà. Monsieur, tu vois que la thune n'est plus un problème. Ok, ensuite, on va s'occuper du tourisme ici. J'ai l'impression que ma molette de souris a quelques petits problèmes. C'est quoi ça? Je veux ça. Je peux le mettre là? Un peu plus de capacité. Salut Shadow. Attends, j'aime pas comment ça. Réfléchissons. Il faut quand même que ce soit un peu joli. Est-ce que j'en fais un là? Non. On mettra autre chose. Est-ce que je peux en mettre deux côte à côte? Non, j'aimerais bien qu'ils soient à la même... C'est pas grave, on va en mettre un comme ça. Un comme ça. Et on fera on va faire des routes inutiles, voilà. Ok, bon, c'est bon. Comme je dis, en plus ça nous crée de l'emploi, c'est très bien. Ok, bon, vous savez quoi, ça me... Ah, mais elle est belle quand même, cette rangée de... C'est ça, là, tout ça... Oh, oui, bonjour, bateau, vêtements, voiture, rhum, joaillerie. Thank you.
On est comment au niveau du logement d'ailleurs? Ça va. On va avoir besoin d'en faire par ici pour loger les... Loger les employés, je pense. De toute façon, en plus, on est dans la zone de touristes, donc on peut se lâcher sur sur tout ce qui est loisirs, genre des trucs, je veux dire, des trucs à la, tiens, une salle d'arcade, on n'a pas encore mis de ça, une salle d'arcade ici, on va remettre un restaurant ici. Mettre une jetée avec fête foraine quelque part. Là, tiens, voilà, parfait. Je pense que là, de toute façon, c'est bon. C'est juste, enfin, clairement, on a gagné. C'est juste une question de spam les infrastructures de tourisme. Notre objectif, c'était de faire une île. C'était pas challenge. Hein. J'ai juste fait une île ultra communiste et l'objectif c'était de gagner mais avec des touristes. Donc, du tourisme communiste. Mais c'est bon, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Déjà faut qu'on ait une capacité d'accueil de 400. On est à combien là? 196, donc il faut encore qu'on spamme de l'hôtel. C'est quoi, vas-y, on va foutre un peu de tout. Ouais. C'est quoi, on va en mettre un peu dans la ville aussi, tu sais, genre au pif. On sait jamais, des fois que ça attire des touristes. Qui veulent aller voir Tropico de l'intérieur. Qui veulent pas juste rester. Dans le quartier touristique qu'on leur a fait ici. Dictatourisme. C'est que ça. Mais quoique non, on est plutôt... Enfin, si tu regardes notre constitution, on est quand même... on est full république et tout. Hein. Joaillerie, tiens, ouais, vas-y, hop. On en a deux, c'est con. Okay. 368, ok, il en faut encore un peu. Ça c'est du loisir. Tiens, un village de huttes, on n'a pas encore ça. Joli belvédère. C'est dommage, je le trouve pas assez centré. Tant pis, on va le mettre là. Un gratte-ciel hôtelier près du palais.
Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Vous avez réussi. Ok. Bon. Voilà, bon, j'avais dit que là on avait atteint un point où c'était le rush final. Très bien. Très bien. Allez, juste parce que ça va me satisfaire à un niveau personnel. Cette zone là me perturbait, mais à un point. Oh mon dieu. Vous pouvez pas savoir comment ça fait du bien. Voilà. C'est carré. C'est carré, c'est joli. Oui, la fin, c'était un peu le speedrun. Hein. Il faudrait qu'on pense à un autre objectif. J'aimerais bien refaire une partie avec un autre objectif. Il faudrait peut-être qu'on essaye de faire un truc genre... un objectif de tourisme et un objectif de... De compte en Suisse et on fait full capital. J'aime bien notre petite île là, elle est bien. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à faire une île qui se casse pas la gueule arrivée au temps moderne. Déjà souvent je commence ça, moi ça commence à se casser la gueule pendant la guerre froide. Objectif thune. Ouais, 10 millions, on essaiera. Enfin, 1 million, 10 millions. 1 million, objectif thune. Du coup, vous vous servez plus à rien non plus, vous ne faites plus de. On fait plus de planches. Du coup, à quel point ça s'est cassé les. Ah, ça va, ça va. C'est quoi, je vais la sauvegarder si jamais je veux la continuer en solo. Je vais me la garder sous le coude. Mais ouais, la prochaine fois, je pense que je mettrai plus de conditions, ou des conditions peut-être un peu plus dures. Parce que, ouais, je pensais galérer peut-être un peu plus, mais 400 touristes, c'est pas beaucoup, en fait. Il y a des mods. Non, il y a que des maps. Si tu vas sur le Steam Workshop, il y a que des maps pour Tropico 6. Il n'y a pas de mod qui rajoute des bâtiments, des trucs comme ça. Ok, bon, bah on va arrêter là pour ce soir, hein. Ça fera un dernier petit épisode un peu court. Mais voilà. Bah merci à tous d'être venus, je veux dire bonne nuit. Et pour ceux qui ça intéresse, il y a la suite de la partie multi Crusader Kings 3 mercredi soir. Ouais. C'est vrai qu'on a les plateformes, j'ai complètement oublié. Du coup, bah des bisous tout le monde, et à la prochaine.